Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, je suis avec vous pour un autre dialogue. Un autre dialogue de conscientisation et tout. Alors, je préfère prendre mon thème sur des réponses multiples qui. En fait, certaines interventions isolées, mais que je trouve très pertinentes. Parce qu'ici, il faut savoir que l'objet de ma communication aussi, c'est par rapport aux naïfs, aux ignorants et ceux qui, ma foi, ils se trompent ou bien aimeraient avoir beaucoup plus de précision. Dans mes rapports, mes démonstrations sur l'alliance Bamleke-Bassa, il y a beaucoup d'incompréhension. Et puis, je me suis dit, il est important que les uns et les autres, qu'on traite ces incompréhensions des uns et des autres. Alors, il y a une question qui revient pour beaucoup, qui disent que les Bamleke ont trahi les Bassa. Les Bassa sont fâchés contre les Bamleke parce que ils se sont rendus compte que les Bamleke faisaient des marchés sur leur dos. Voilà. Et que les Bamleke faisaient des marchés sur leur dos. C'est comme ça que les Bassa se sont retrouvés, sont fâchés contre les Bamleke. Quand je prends rien que cet aspect que je peux traiter, aujourd'hui il y a beaucoup d'aspects. On n'est pas pressé. Hein? C'est vraiment, c'est ça qui devait être. Cet exercice qui devait être fait dans un grand dialogue national. Quand on parle de grand dialogue national, c'est poser le problème sur la table, les débattre, essayer de comprendre, de savoir. Et puis, parfois, on sait qu'on a péché quelque part, on demande pardon à son frère et on avance. Vous voyez très bien que le régime qui est en place et notre colon ne veulent absolument pas de cet exercice. Et tout. Il faudrait que je rappelle aux uns et aux autres ici que, contrairement à ce que les gens pensent, les Bassa sont toujours très liés aux Bamleke. Le paradoxe, c'est que, comme j'ai dit, les Bassa ont préféré, je ne sais pas où c'est à dessein, jouer aux chauves-souris. Voilà. Être toujours en train de fuir. Et tout. Et du coup, on a l'impression que c'est les Bamleke qui sont restés. Ce que je préfère dire ici, c'est que quand vous sortez à l'international, de me renseigner, vous avez des frères et tout. Quand vous sortez, vous allez vous rendre compte que les Bamleke et les Bassa sont toujours en soutien. Sauf que, comme je disais tantôt, ils préfèrent jouer le chauve-souris. Il faut que je lève l'équivoque pour dire ici, dans le premier épisode, j'avais dit qui a trahi. Voilà. Donc, il faut que je lève l'équivoque ici pour dire, écoutez mes frères, je ne fais pas un exercice pour blanchir qui que ce soit. Si vous avez des éléments qui montrent que ce que je dis est faux ou biaisé, apportez ces éléments sur la table. Ça ne sert à rien de rester en bas, se mortifier. Wow, il fait la terracou au Bamleke. Wow, il fait machin, truc et tout, et tout, et tout. Déjà, si vous parlez de Bamleke, à mon petit niveau, j'en parle de Bamleke. Tous les Bamleke ne sont pas riches. Tous les Bamleke ne sont pas intelligents. Il faut qu'on vous dise ça 100 fois. Comment? Mais on sait que la proportion, la race, elle est intelligente, elle est riche, elle est dynamique. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est moi ce qui le dis. Alors, si vous pensez que c'est moi qui le dis, ou Fouad Boigny l'a dit, si on lui donne les Bamleke, il fait de la Côte d'Ivoire le pays le plus puissant d'Afrique. Les Américains le disent, les Français le disent, tout le monde le dit. Vous voulez que je cite encore qui? C'est moi qui le dis. Tous ces gens qui le disent ne savent pas qu'il y a il y a 250 ethnies au Cameroun. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Pourquoi vous voulez cacher la lumière du soleil? Pourquoi? Même chez les Béti, qu'est-ce que Mongo Béti avait dit en 90? Qu'est-ce que Mongo Béti avait dit après les feux Mongo Béti? Nessa Mongo Béti m'avait dit que on veut au lieu que le régime se sert, pas qu'au lieu que le régime se sert d'un pseudo-tribalisme où
Ils veulent faire passer un peuple dynamique, travailleur, objectif, hein, et qui est toujours, qui va toujours dans le sens de la positivité, le faire passer pour une tribu menaçante. C'est Mongo Betty qui l'avait dit, hein. Mongo Betty avait dit ça à ce régime-ci. Parce que il faut que même les Betty, que j'ai eu l'occasion de dire ici, donnez-moi quelques secondes, il faut que même les Betty sachent que les Betty qui sont respectés de par le monde, ou qu'on a connu, Martin Paul Samba, Mongo Betty et quelques rares, tous ces gens-là ont eu et ont le même. Vous ne pouvez pas mettre quand même, vous ne pouvez pas mettre sur la balance la personnalité de Mongo Betty. Si vous savez que les Betty ont eu un héros, c'est Martin Paul Samba, le plus grand connu nationalement et internationalement. Donc, si les Oseni Afane, si tous ces gens-là étaient sur une même ligne idéologique nationaliste, deux choses. C'est que si vous êtes contre les nationalistes, contre Oumniobé, contre Ernest Ouandji, contre Félix Moumi et tout ça, cela veut dire que vous êtes contre Martin Paul Samba, vous êtes contre Oseni Afane, vous êtes contre des gens comme Mongo Betty. Pourtant, c'est la référence chez les Betty. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça, c'était au passage. Autre chose que je voudrais dire, de toutes les façons, quand quelqu'un est grand, je vous le dis tous les jours, au risque de vous le dire 150 000 fois, quand quelqu'un est grand, il est grand. Quand quelqu'un... même à l'école, quand nous sommes à l'école, prenons l'exemple, s'il y a des enfants qui m'écoutent, ils peuvent témoigner que ce que je dis est vrai. À l'école, quand il y a un enfant qui est plus brillant à l'école, quand vous avez un camarade qui est plus brillant, vous faites quoi? Mais ça, vous êtes toujours à côté du camarade, hein? Vous voulez toujours être son ami? Vous voulez toujours être son ami, non? Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est détenteur d'une connaissance, hein, d'un niveau de connaissance que vous n'avez pas. Pourquoi quand vous grandissez, il devient un complexe pour vous? Donc, moi, je n'ai pas peur. Je vous ai même déjà dit que moi, je suis un Bamléké de nationalité. Oui, je vous ai déjà dit ça. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte de porter le sac de quelqu'un qui me dépasse. Cette tribu me dépasse. C'est vrai que il y a... Même les Bamléké, le paradoxe, c'est que même les Bamléké connaissent. Quand je parle ici de l'alliance Bassa-Bami, c'est que même les Bamléké reconnaissent que les Bassa sont un poids. Il n'y a que les Bassa eux-mêmes qui ne savent pas qu'ils sont un poids. Mais les Bamléké reconnaissent que les Bassa sont un poids. Et les Bamléké ont toujours considéré les Bassa comme une tribu, hein, un peuple de valeur, un peuple considérable, un peuple avec lequel ils ont construit, un peuple avec lequel ils ont combattu, un peuple avec lequel ils peuvent arriver. Quand quelqu'un va me dire, ah, il fait la Talako Bamléké, je peux le prouver. Et vous me prouvez le contraire. Je vous ai dit que hier encore, avant-hier, les Bamléké sont venus dans la guerre nationaliste qui avait un leader qu'on appelait Oumniobé. Ils n'étaient pas obligés. Si les Bamléké n'étaient que des opportunistes, des gens qui de France qui se faire de l'argent, pourquoi ils sont allés dans cette guerre? Donc, le génocide, ils l'ont payé de 10 000 mots. Maintenant, je reviens sur ceux qui parlent de trahison, que les Bamléké ont trahi les Bassa. Ils me faisaient le marché sur leur dos. Un, je vais vous dire une chose. La guerre la plus violente s'est passée en territoire Bamléké. Les Bassa ont été traqués dans la brousse et les forêts. Mais dès qu'on a tué Oumniobé, la résistance était finie. Il faut vous dire une chose, hein, parce que quand on ne reste pas dans les maisons, vous racontez des histoires que vous ne maîtrisez pas. Dire que les Bamléké ont trahi les Bassa, c'est faux, absolument faux. Parce que dans la guerre de libération du Cameroun, les derniers à porter les armes étaient les Bamléké. Les derniers à porter les armes étaient les Bamléké, mon frère. Mais comment tu peux dire que vous allez dans une lutte, hein, au milieu, toi, tu t'arrêtes. Quelqu'un qui continue la lutte jusqu'à la fin, tu dis que lui t'a trahi. Est-ce que cela a un sens? Moi, je vous pose que cela a un sens. Dites-moi en quoi ça a un sens.
jusqu'en 71, je crois, quand on condamne Ernest Ouandi à mort, on le fusille. Dites-moi l'histoire de la guérilla Bassa en 70, dans les années 70. Elle n'existait plus. Elle n'existait plus. En quel moment les Bamlékés ont donc trahi? Puisque quand on continue Oumniobé, près de 10 ans après, c'est les Bamlékés qui mènent la lutte nationaliste, la lutte de libération. C'est les Bamlékés. Et ils se sont retrouvés seuls à mener cette lutte. Non, soyons un peu. Vous savez, hein, je veux bien, je veux vous dire une chose. Le jour où je vais mourir en paix. Parce que je ne tronque pas. Parce que je ne suis pas incomplexé. Parce que j'essaie de connaître. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Je l'ai dit à chaque. Nous avons des enfants chez nous. Chaque fois que nous voulons faire des références à nos enfants positives, on est en train de dire que regarde le fils de du voisin. Regarde ton camarade qui est là-bas. Pourquoi vous refusez de citer le Bamlékés en référence? Son dynamisme, son sens du travail, sa détermination à la réussite, son engagement qui est sans pareil, fait en sorte que de par le monde, il s'impose. Il s'impose pas parce que même il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, il s'impose aussi dans la Fémania. Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous pouvez être Fémani. Vous n'êtes pas intelligent, vous pouvez être Fémani. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On me dit que non, il faut savoir que les Bamlékés ont trahi les Bassa. Les Bamlékés ont trahi les Bassa quand? Où? Comment? Dites-moi dans quelle logique. Puisque les Bamlékés ont continué la lutte qui avait été engagée par le père fondateur de la révolution Oumniobé. Mais c'est les Bamlékés qui ont vu cette lutte et c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui a payé, attendez un peu, vous allez dans un combat, vous perdez deux personnes, deux enfants, l'autre, tu t'arrêtes. Ou alors, celui qui allait en combat, meurt, sa famille s'arrête. L'autre continue le combat, il perd 50 personnes, et pendant plus de 10 ans. Après, vous venez dire demain que non, lui, il a trahi, et non. À cette chose. Il faut rappeler aux gens ici, pour ceux qui ne savent pas, en 80, lorsqu'on ouvre le marché central, le Douala, et tout, Aïdjo va recommander, je ne sais plus qui était responsable, de gouverneur de la ville, je vais me souvenir, Aïdjo va recommander que qu'on donne les boutiques à toutes les différentes composantes de Nioub. Vous savez que Nioub, c'est un peu le centre névralgique de Douala, où vous trouvez tout le monde, Bamlékés, Bassa, et machin, truc et tout, et tout. On a départagé équitablement les boutiques et tout ça. On a donné à toutes les tribus et tout ça. Comment les Bamlékés aujourd'hui se sont retrouvés avec presque les 95% des boutiques? Comment ils se sont retrouvés? Vous savez comment? C'est les Bassa, les Douala et tout, qui venaient encore voir les Bamlékés pour leur dire que, gars, vraiment, moi, ça ne donne pas, vraiment, tu peux acheter ma boutique. Pourquoi le Bamlékés, lui, pouvait avancer? Au point où toi, tu vends ta boutique à côté, il achète, et que toi, tu n'avances pas, il t'avait arrêté. Il avait t'avait empêché de faire quoi? Tout simplement parce qu'il avait un dynamisme, une technique, une manière de pouvoir développer un objectif. De l'endurance, de la persévérance. C'est ça le Bamlékés. Tu sais, oui, parfois je suis couché chez moi. J'ai la paresse parfois de me lever un jour après peut-être avoir passé une semaine intense de travail à monter, descendre, le voyage et tout, et tout, et tout. J'ai envie de prendre deux jours pour me reposer. Quand j'ai dit, je me suis déjà reposé un jour, j'ai dit que, est-ce que le Bamlékés, là, lui, se repose deux jours? Moi, je vais me reposer deux jours, trois jours. Et je rêve l'atteindre comment? Je rêve l'atteindre comment? Voilà la référence. Et je peux aller de coq en l'âne comme ça pour dire aussi, mes frères, soyons un peu sérieux, soyons unanimes, soyons un peu objectifs. Si on enlève les Bamlékés, on exclut les Bamlékés, ou bien les Bamlékés s'excluent
dans les affaires du pays, de ce pays-ci, du Cameroun, maintenant, là. Dites-moi un peu le peuple qui va tenir la balance. Partout dans le monde, on sait qu'il y a un peuple. Il y a, là, parfois, même les, moi, je veux même vous dire quelque chose. Il y a certaines zones de ce monde ceux qui pensent qu'il n'y a que le peuple bamiléké qui est au Cameroun. C'est-à-dire que le peuple qui est au Cameroun, c'est le peuple bamiléké. Parce que quand celui là passe, il voit que le bamiléké, partout il entre, il trouve que celui qui est le plus dynamique, si le bamiléké n'est que boulanger, t'inquiète, il va faire de la boulangerie à perfection. S'il vend de l'eau, il va vendre de l'eau à perfection. S'il dit que c'est l'école qu'il part, il va faire l'école à perfection. Tout ce qu'il dit qu'il touche, il touche à perfection. Résultat, ils sont partout. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont les plus nombreux. Ils se sont même fait les plus nombreux. Et tout. On a, maintenant, je reviens sur, pour clôturer, je reviens sur ce truc de Bassa et de Bamiléké. On dit, ouais, les Bamiléké, comme je disais, ils faisaient les business sur le dos des Bassa. Dites-moi ce que les Bamiléké faisaient comme business que les Bassa ne pouvaient pas faire. Et que les Bamiléké ont empêché de faire. Dites-moi. Les gens qui s'étaient susceptibles de faire le business, c'était les Bassa. Parce que les Bassa, après la mort de Oumdiobé, la résistance était tombée. Pourtant, les Bamiléké ont continué le combat le plus violent avec le colon pendant 10 ans. Il a été décimé. Un jour ici, quelqu'un m'a dit que non, les Bamiléké sont morts plus de 600 000. Comment? Qu'ils étaient d'abord combien? Qu'ils étaient d'abord combien? Et tout ça. Et tout. Oh, on biaise l'histoire. S'ils étaient combien pour avoir un génocide de plus de 600 000? Erreur, mon frère. C'est pour cela qu'il faut enseigner l'histoire. Et je me pose la question, ces zozo professeurs qui nous entourent partout, qui viennent là, docteurs, professeurs, machin, tout. Pourquoi ils n'enseignent pas ça? Ils n'enseignent pas ça à nos enfants, dans nos écoles. Pourquoi on ne nous enseigne pas notre histoire? Pourquoi on ne nous l'enseigne pas? Parce que ce genre de questions ne devraient pas se poser. Il faut savoir que, au départ, à l'origine, l'Ouest était un des territoires les plus vastes au Cameroun. Je vous ai dit ici que l'Ouest est le territoire le plus petit. Et je vous ai démontré que, mais comme vous voulez toujours ou alors par ignorance, c'est que vous posez des questions qui sont parce que vous voulez savoir. Mais je vais vous le dire. L'Ouest au départ, à l'origine du Cameroun, l'Ouest est le peuple le plus vaste. L'Ouest allait jusqu'au sud. L'Ouest jusqu'au sud-ouest. L'Ouest allait jusqu'au nord-ouest. Dites-moi la frontière qui existe entre l'Ouest et le nord-ouest. Dites-moi la frontière qui existe entre l'Ouest et le sud-ouest. L'Ouest venait jusqu'au Mungo. Ou encore là, dans ma petite géographie. Et tout. Alors, vous-même, ça ne vous dit rien. Des 10 régions du Cameroun, là où on utilise ouest de l'ouest, ce n'est qu'à l'ouest. Là où on utilise qu'est-ce que je voudrais dire? Bon, je voudrais dire que, regardez bien, c'est dans la zone de l'ouest que vous allez trouver les sous-zones, que je ne peux pas appeler les sous-zones. Dans l'ouest, vous allez trouver sud-ouest. Tu vas trouver nord-ouest. Au centre, il y a le centre-ouest. Et s'il y a le centre-ouest, au sud, et s'il y a le sud-ouest ou le sud-est, et s'il y a ça, ça veut dire que c'est la même région qu'on a divisée, qu'on a segmentée. Bon, tu es à l'ouest, mais on te dit que tu es au sud de l'ouest. Et va bien, si tu connais le territoire de l'ouest, va bien voir l'embrasement entre le sud-ouest et le nord-ouest. Tu vas voir que c'est les limites sont seulement les limites qu'on a, les limites artificielles. Donc l'ouest, jusqu'à la limite de Mungo, l'ouest c'était un vaste territoire, c'était un grand peuple. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce peuple a subi, les deux peuples au Cameroun qui ont subi cette division sont les peuples les plus résistants, sont les peuples résistants à la colonisation, qui ont résisté à la colonisation française. Les Bassa et l'Ouest. L'Ouest encore même,
a réussi à s'en sortir avec une petite région. Les Bassins ne sont même pas sortis avec une région. Ils sont là, ils ont seulement les départements. Je demande à mes frères, vous savez, à l'Ouest aussi, il faut qu'on se dise une chose. Mes frères Bamleke, ne laissez pas tomber nous, nos frères Bassa. Parce que, comme vous dites, le Bassa avait une qualité. Ce qui mélangeait les deux, c'est que le Bamleke a un dynamisme. Mais il allait au-delà jusqu'à développer même l'intelligence, des compétences intellectuelles inouïes. Le Bassa est connu comme quelqu'un de très intelligent. Tous les gars de l'Ouest disent que quand on était à l'école, quand on était à l'université, quand on était dans les écoles même au monde, les Bassa étaient les plus intelligents. Même les gars de l'Ouest disent ça. Que dans leur salle de classe, les Bassa étaient les intelligents. Quand ils parlent bien des intelligents, c'est des gens que tu trouvais dans les filières scientifiques. Et voyez très bien qu'au Cameroun, vous allez voir que c'est les bêtises qui sont trop dans les filières littéraires. Les Bassa étaient dans les filières scientifiques. Les meilleurs scientifiques étaient les Bassa. Et les Bassa étaient intelligents. Et ils avaient ce qu'on appelle le caractère. C'est ça qui a fait la force des Lions Indomptables. C'est ça qui a fait la force des Bassa. On sait jusqu'aujourd'hui, vous savez que si les Bassa décident de faire, ils font. Je me réjouis de savoir qu'actuellement, les Bassa sont en train de fusionner, par exemple, en Europe, ils fusionnent des groupes et tout. Mais il faut encore que l'esprit d'ego disparaisse. Parce que nous, les Bassa, on aime trop le. Mais à Weyenge, toi, tu es qui? Et psychologiquement, ça joue. Chez les Bamleke, vous ne trouvez pas le que Weyenge. Chez le Bamleke, c'est que. Oh, je serai comme lui. Chez le Bassa, c'est que toi, tu es qui? Regardez bien, et ça joue dans notre comportement, dans notre manière de voir le monde et de faire des choses. Quand les Bassa aujourd'hui refusent de s'affirmer dans la société du Cameroun, on veut assujettir les Bamleke. C'est-à-dire qu'on mange dans la paume de main des Bamleke, mais on veut qu'ils se taisent. On veut qu'ils se contentent à faire, comme ils disent, qu'ils se contentent à faire le commerce, qu'ils ne s'occupent pas de la politique. Mais je vous ai dit ici, quand vous ne pouvez rien faire sans Bamleke, rien, ils sont partout. C'est ça les intelligents, c'est comme les juifs. Et c'est comme si les Bamleke et les juifs, ils ont un même ancêtre. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez rien. Et c'est comme ça, vous ne pouvez rien. Si tu pars et si tu pars en Europe, c'est un Bamleke qui va te faire entrer quelque part. C'est un Bamleke qui peut te faire avoir des largesses. Ils ont cette capacité d'organisation et tout. Dites-moi un peu, si quelqu'un, les gens savent s'organiser, c'est un défaut pour vous. Donc quand tu ne sais pas faire quelque chose, hein, c'est celui qui sait faire qui a un problème. Porte son sac. On va construire une société des gens qui ne savent rien faire. On va construire une société de littéraires. Comme je vois beaucoup qui sont là, avec des doctorats, machin, truc, ce n'est que la littérature, on va construire une société avec ça. Ah mais non, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc les Bamleke n'ont pas trahi les Bassa. Mais les Bamleke sont prêts à faire. Ils sont prêts à tendre la main. Parce qu'ils estiment, ils ont l'histoire qui est dans leur tête. Ils savent que c'est avec les Bassa. Ils ont cette histoire dans la tête. C'est l'homme Bassa qui doit évoluer. Il doit quitter l'esclavagisme de l'esclavage qui s'est donné dans la tête, ne pas exister. Il doit quitter ça pour rejoindre le Bamleke qui le tend la main. Et ici, j'implore mes frères Bamleke de ne pas nous laisser tomber, de nous tendre la main. Et effectivement, pour nous tendre la main, il faut que nous-mêmes, nous soyons conscients que nous voulons qu'on nous tende la main et que nous voulons qu'on remonte comme au départ. Nous, on a disparu. Les Bassa n'ont pas de région, mon frère. Les Bassa n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de région. Ils ne peuvent pas s'organiser. Même là, voir même le petit embryon, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas.
Les Républicains ont besoin des gens dynamiques, aussi efficaces, intelligents. Et il y en a partout dans le monde. Il faut s'affirmer sur le travail que nous avons à faire. Donc, ce sont de dire que les Bamlékas ont fait. Non, les Bamlékas sont. Même jusqu'à présent. Bon, dites-moi. Alors, après les indépendances, où les Bamlékas sont morts par dizaines, par centaines, des milliers et tout, eux, ils faisaient encore la guerre. Les Bassa étaient où pour se développer? Ils étaient où? Ils sont où? Comment vous pouvez dire ça? Les Bassa étaient où? S'il y avait un peuple qui devait venir à la suite de l'autre, ce serait les Bamlékas qui devaient venir à la suite des Bassa. Il faut que nous acceptons que nous avons péché et que les gens qui ont trahi, c'est nous. Nous avons trahi, nous avons laissé les Bamlékas. Ils ont su se relever. Nous, on a plutôt disparu. On ne s'est même pas cherché à se relever. On a cherché seulement à manger, à avoir le bout de pain. Et jusqu'aujourd'hui, on est comme ça. Quand le Bassa est quelque part, il se cache même. Il ne veut même pas qu'on sache qu'il est Bassa. Si je le dis, si je mens, que beaucoup de Bassa qui me suivent me disent si c'est ce que je dis est faux. Quand moi j'entre dans un bureau, tu entres dans un bureau, tu sais que c'est le type qui est là, c'est un type Bassa. Quand tu m'as parlé le Bassa, il te tourne le dos. Il ne veut même pas, non, il ne veut pas même pas. C'est, pour lui, c'est une insulte que tu viennes lui montrer que tu es ton frère. Alors que quand tu passes chez le Béti, tu vas chez le Bamlékas, vous voulez construire une communauté comment? Vous voulez construire comment? Le Bassa est d'abord jaloux de son propre frère. Le Bassa est haineux envers son propre frère. Le Bamlékas n'est pas haineux envers son frère, hein. Non, c'est que il sait seulement que son frère ne doit pas le dépasser. Il se bat comme son frère, bon, lui aussi monte. Nous, on est haineux. Donc, il faut qu'on enlève la haine autour de nous. Il faut qu'on arrête de dire que les Bamlékas ont trahi. Voilà le territoire du Cameroun. Quand les Bamlékas vont s'installer, ils se développent, ils créent des choses, ils créent des tontines. Ils ont arrêté les Bassa où? Ils ont empêché les Bassa de le faire. Mon frère, ils ont empêché les Bassa. Regardons en Europe partout. Il y a les Bamlékas, il y a les Bassa. Regardons le dynamisme des Bassa en Europe. Regardons le dynamisme des Bamlékas. Les Bamlékas, le dynamisme est dans la collectivité. Ils se fréquentent et ils essayent de se construire. Le Bassa, quand il est quelque part et que lui, il a réussi, non, il s'enferme dans sa bulle. Il ne veut même pas qu'un autre Bassa sache qu'il est là. Non, il faut qu'on corrige notre mentalité, que de s'agir de jouer la victime. C'est nous qui avons abandonné les Bamlékas à la lutte. Il faut se dire la vérité. C'est nous qui avons abandonné les Bamlékas à la lutte. Donc arrêtons ça. C'est un faux débat. C'est ce que je voulais dire. C'est un faux débat. Nous devons d'abord nous ressouder entre nous. Tendre la main à nos frères Bamlékas. Qui nous tendent la main. J'ai bien dit la dernière fois qu'ils nous attendent. Et ils sont prêts. Ils nous tendent la main. La preuve. Même hier, la preuve. La preuve. Quand Cabral, qui est un Bassa, on a pensé que voilà l'homme providentiel qui pouvait changer le Cameroun. Les Bamlékas l'ont ici en haut. Dites-moi le Bamlékas que les Bassa ont ici en haut. Dites-moi le Bamlékas que les Bassa ont ici en haut. Ont misé sur lui. Par contre, les Bassa s'enferment dans l'UPC. Ils en ont fait leur propriété privée. Donc, qui ne volent nulle part. Une fois qu'ils en ont fait, ils ont fait la propriété privée, l'UPC. Ils se battent encore entre eux et dedans. Mais le Bamlékas, dès qu'il a senti que lui veut seulement quelqu'un qui peut faire en sorte que le pays évolue et tout. Quand les Bamlékas ont misé, je vous ai posé la question, c'est quand ils ont misé sur Cabral là, quand tu n'étais pas là, il n'y avait pas les autres Bamlékas qui ont des partis politiques partout et tout. Est-ce que vous avez oublié que c'est parce que Cabral a trahi, je le dis toujours, il a déçu, il a trahi le peuple, que les gens se sont rejetés et que quand tu as pris son envol à la cour constitutionnelle, on s'est rendu compte que la seule opposition, c'était le MRC qui était en train de défendre la victoire. Les qui ont misé sur le Bassa Cabral. À la fin, quand il a failli, qu'il trahisse, il a préféré que ses frères, des Zeka et tout ça, le fassent devenir député pour ses intérêts personnels. Vous voyez ça? Et on est en train de crier partout que c'est le Bamlékas. C'est le Bamlékas qui crée, qui apporte le tribalisme, qui est un machin, truc et tout. Et hier, quand Frund était en haut, on a dit, oh, c'est les Anglo-Bami et tout. Voilà comment vous faites. Allez, bonsoir.